René Magritte est né 21 novembre 1848 en Lessines, Belgium. Il a marié Georgette Berger en 1922. Il a commencé les leçons d'art en 1910. Sa mère s'est suicidée dans le fleuve Sambre quand René a eu 13 ans. Sa mort a inspiré ses tableaux. Sa robe a couvert sa visage quand elle est morte. Beaucoup de tableaux montrent des gens avec couverture sur le visage. Son principal style de peinture en 1915 était l'impressionnisme et le cubisme en 1918 jusqu'en 1924. Il a été inspiré par le Pirate. Sa première peinture surréaliste en 1926 était le Jockey Pimpin. Il peint beaucoup de féminins nus. Sa première exposition était en 1927 et les critiques le détestaient. Il s'installe ensuite à Paris. Des exemples sont Cécile Poisson et l'homme chapeau. Il a influencé l'art moderne et la publicité.